Le travail aux brigades nature. Est-ce que vous travaillez? Oui, je travaille aux brigades nature. C'est quoi votre travail? Je suis ouvrier d'entretien des espaces verts. Je suis ouvrier d'entretien des espaces naturels. Vous travaillez combien de jours par semaine? Je travaille 3 jours par semaine. Lundi, mardi et jeudi. Ou alors lundi, mardi et vendredi, par exemple. Comment s'appelle votre chef? Mon chef s'appelle... Comment s'appelle votre conseiller? Mon conseiller s'appelle ou ma conseillère s'appelle. Mon conseiller, c'est pour un garçon. Ma conseillère pour une fille, pour une femme. Vous travaillez dans quelle équipe? Je travaille dans l'équipe numéro 1, 2, 3, 10, 40, 52. Vous avez rendez-vous où le matin? Le matin, j'ai rendez-vous avec mon équipe à la gare de Vaise, à la Mulatière, à Gorge de Loup, au Tonkin, à Villefranche. C'est votre point de rendez-vous. On prend le camion pour aller sur le chantier. On travaille dans les parcs, dans les jardins, dans la forêt, au bord des rivières, sur les chemins de randonnée, en bord de route, dans les villes, à la campagne. C'est quoi ça? C'est un arbre. Un arbre. S'il y a plusieurs, par exemple, s'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 10 ou 30, on dit des arbres. Un arbre. Un arbre. Des arbres. C'est quoi ça? C'est une feuille. Une feuille. C'est quoi ça? C'est une fleur. Une fleur. C'est quoi ça? C'est un fruit. Un fruit. Par exemple, une pomme, une orange, une poire. C'est quoi ça? Un bourgeon. Un bourgeon. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Une branche. Une branche. C'est quoi ça? Un tronc. Un tronc. C'est quoi ça? De l'herbe. De l'herbe.
On peut aussi dire la pelouse ou même le gazon. C'est quoi ça? Une racine. Une racine. C'est quoi ça? De la terre. De la terre. La sécurité. Pour me protéger, pour ma sécurité, je dois porter un casque. Un casque anti-bruit. Une visière. Des lunettes. Des chaussures de sécurité. Des gants. Un gilet de sécurité. Parfois, on dit un gilet jaune. Un pantalon de sécurité. Des cônes de chantier. Un panneau de la rubalise. Les outils. Le matériel. La tronçonneuse. La tronçonneuse, c'est pour couper le tronc. La tronçonneuse pour couper le tronc. La tondeuse. Le souffleur. Le broyeur. Le sécateur à main. Le sécateur de force. Le sécateur à main, c'est le petit sécateur. Et le sécateur de force, c'est le grand sécateur. La perche élagueuse. La scie. La débroussailleuse. C'est un mot difficile, débroussailleuse. On peut dire la deb, le rotophile. C'est une marque, mais parfois on dit ça. La tête de la débroussailleuse, je peux la pointer avec du fil, une lame, un couteau du rebroyeur ou une scie. La fourche, le râteau à feuilles, le balai, le râteau, le taille-haie, la cisaille, la pince à déchets, un sac poubelle, une pelle. La bêche, la pioche, la truelle, le marteau-piqueur, la barre à mine, le harnais, le seau. Le camion, la brouette, la remorque. La déchetterie. Un pinceau. De la peinture. Une perceuse. Une pince. Des composteurs. Des jardinières. Des escaliers. Des murs en pierre. Le bidon. Du carburant. De l'huile de temps. De l'huile
de chêne. Pour terminer, je vous propose un petit jeu. Comme ça, on va bien voir si vous avez appris les mots. Alors, je vais lire deux fois la phrase. La première fois, je ne vais pas dire c'est quoi ça? Et vous, vous allez dire. La deuxième fois, je vais donner la réponse. Meta était. Mais ta visière et tes gants. Tu peux me passer le et là, s'il te plaît? Tu peux me passer le fil et la pince, s'il te plaît? Prends le pour couper les petites branches. Prends le sécateur ou le sécateur à main pour couper les petites branches. On va installer les ici. On va installer les composteurs ici. Apporte-moi là, s'il te plaît. Apporte-moi la fourche, s'il te plaît. Tu peux m'aider? Je n'arrive pas à démarrer la. Tu peux m'aider? Je n'arrive pas à démarrer la tronçonneuse. J'ai mal au dos parce que le est très lourd. J'ai mal au dos parce que le taille-haie est très lourd. Tu as déjà passé la. Tu as déjà passé la tondeuse? Apporte-la et là pour creuser un trou. Apporte la bêche et la pioche pour creuser un trou. Je ne trouve pas la. Je ne trouve pas la perceuse. Nettoie-le avant de le ranger dans le. Nettoie le râteau avant de le ranger dans le camion. As-tu bien réglé ton avant d'utiliser la? As-tu bien réglé ton harnais avant d'utiliser la débroussailleuse? Tu peux mettre les dans la. Tu peux mettre les branches dans la remorque. Bon travail à vous avec les Brigades Nature!